Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce magazine consacré au 9e jeu des îles de l'océan Indien. Football pour démarrer cette édition. La finale féminine s'est tenue cet après-midi entre La Réunion et Madagascar. Les Réunionnaises qui se sont imposées 3-1 et décrochent donc la médaille d'or, comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur ces images. Et faisons justement un point sur cette finale de football. Nous avons en direct Johnny Lerivin. Johnny, bonsoir. Bonsoir à Gilles, bonsoir à tous. Avec moi, une fille en or, une footballeuse en or, c'est Marine Morel, la capitaine de la sélection de La Réunion, qui vient de remporter la première médaille d'or du foot féminin aux Jeux des Îles. Bonsoir Marine et félicitations. Alors, la première question, quelle sensation vous procure cette première médaille d'or de toute l'histoire des Jeux pour le foot féminin ? Un immense plaisir, notamment parce qu'on est ici à La Réunion, donc c'est une grande joie et on a pu montrer au public réunionnais que le football féminin a son avenir. Donc c'est... On a beaucoup parlé de pression, vous étiez donnée favorite, il fallait assumer, ça n'a pas été simple. Hein. Au début on était sous pression parce qu'on avait le rôle de favorite, mais pour nous avant match on s'est dit que c'est Maurice le favori, donc on a libéré cette pression. L'entame du match était en main pour Maurice, mais on a su répondre à ça et surtout avec le public rayonnais, donc on est revenu là-dessus et on a reporté cette médaille. Merci Marine, et encore une fois félicitations. On vous laisse partir à l'abri car il pleut, mon cher Agive, ici sur la pelouse du Stade de l'Est. Et c'est sous la pluie que va se dérouler la finale masculine qui va opposer dans quelques instants La Réunion à Mayotte. Sous la pluie, vous l'avez dit, merci beaucoup Johnny Lerivin pour ce direct. Et football toujours en masculin, la finale qui débute à 20h ce soir. La sélection réunionnaise qui affronte Mayotte. La Réunion qui avait, pour rappel, battu Madagascar en demi alors que Mayotte s'était imposée contre Maurice. Concentration maximum, on va dire, des deux côtés. Toufaili Angelani a suivi pour nous la préparation dans le camp maoré. Voyons son reportage. Parce que seule la victoire est belle, les Maorés veulent rester concentrés jusqu'au bout. Une séance légère au programme et surtout beaucoup de récupération. On suit les entraînements de foot pour faire les étirements corrects. Et après les étirements, on va avoir des joueurs qui ont des plaintes spécifiques qu'on n'a pas forcément le temps de prendre charge au village. Comme là, on a le temps, on en profite. De voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat avec des douleurs qui ont été anciennes, traitées ou non traitées, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour les matchs. Jouer contre La Réunion, c'était le souhait de toute l'équipe. La moitié de l'effectif maoré évolue ou a évolué dans le championnat réunionnais. Nous, on a des jeunes talentueux. Je dis clairement, on a des jeunes qui savent jouer au football. On n'a pas peur de La Réunion. La Réunion, c'est une équipe que moi, je connais pas mal des joueurs. Et le niveau, ça me fait pas peur. Et du coup, on va répondre face à ce niveau qui, pour nous, paraît très, très faisable. Le défi sera donc physique, mais surtout psychologique. Les deux équipes se sont déjà affrontées plusieurs fois. En 2011, au Seychelles, on a joué un match de poule. On nous a battu 1-0. Et puis, à la troisième place, on a perdu 1-0. Donc, la Réunion, ça fait longtemps qu'on joue contre eux, donc je connais bien comment ils jouent tout ça. Ce soir, en jeu, la suprématie dans le football de l'océan Indien. Les Maorés ne veulent pas rater le rendez-vous. On quitte le football pour parler basket avec la finale en féminin qui s'est déroulée cet après-midi. Rencontre opposant Madagascar à La Réunion. Les Réunionnaises qui ont battu Madagascar 60-46. Et un point maintenant sur cette finale féminine de basket, en direct avec nous, notre consultant Johan Guillou. Johan, bonsoir. Evelyne Farry, capitaine de la sélection Réunion. Première médaille d'or pour l'île de La Réunion depuis la création des Jeux des îles de l'océan Indien. Là, tout de suite, quel est votre état d'esprit ? On est heureuse, on est très contente d'avoir remporté enfin cette médaille d'or. Il y a eu beaucoup de boulot derrière ça. On a eu un mois très dur, tout le mois de juillet, sans entraîner très dur. Et c'est juste les efforts qui payent simplement. Et
première médaille pour le basket féminin, c'est juste historique et on est heureuse, on n'a pas de mots pour dire. Une fierté supplémentaire parce que les Malgaches sont multi tenants du titre. Alors qu'est-ce que ça vous a fait, vous qui êtes à votre quatrième jeu des îles de l'océan Indien, de cette fois-ci enfin prendre votre revanche et avoir cette médaille d'or? Ah ben c'est jouissif. Quatrième jeu des îles, du coup on n'avait que la médaille d'argent. Pour le coup, je suis super heureuse d'avoir enfin pris ma revanche, comme tu le dis. Et ça fait plaisir. Enfin, battre ces Malgaches à la maison en plus. De toute façon, c'était l'or ou rien du tout. On est venu ici pour gagner, on est chez nous et on l'a remporté et on est content. Evelyne Farry, première historique médaille d'or au championnat de France, championne de France nationale 3, médaille d'or aux Jeux des îles de l'océan Indien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? De prendre la retraite. Alors pour moi qui suis président de son club, ça ne m'arrange pas. En tout cas, ce fut un match exceptionnel avec une belle défense des Réunionnaises quand même. J'ai été surpris par cette défense. On a resserré en défense. Elles ont été maladroites parce qu'on a, on a resserré en défense tout simplement. Voilà. D'accord. Alors juste pour terminer, je souhaiterais te féliciter et te faire un gros bisou. Félicitations. Merci à Johan pour ce direct. Belle performance réunionnaise. Je vous rappelle le score donc. La Réunion qui bat Madagascar 60 à 46. Et en handball, domination réunionnaise en masculin comme en féminin. Deux finales Réunion-Mayotte dans ces Jeux des îles. Et chez les filles, victoire 33-20 pour les réunionnaises. Les garçons ont également gagné 26-21. C'était donc beaucoup plus disputé. Christelle Fleuricourt. Sans surprise, la sélection réunionnaise se hisse à la première place. Des Réunionnais en or devant un gymnase Daniel Narcisse survolté. Plus surprenant en revanche, l'épatante résistance mahoraise. Dès le départ, on joue des coudes et l'équipe de l'île au parfum prend même le dessus à la 9e minute grâce au doublé d'Ali Minadji, 5-3 en faveur de Mayotte. À la pause, la Réunion est devant d'une courte tête, 13-12 au tableau d'affichage. C'est donc au retour des vestiaires que les hommes de Fernand Chancune reprennent progressivement le dessus, aidés dans les cages par les parades d'un Loïc Samkofrev des grands jours. À la 48e minute, Budel, meilleur buteur du match, creuse un peu plus l'écart en offrant un deuxième point d'avance à la Réunion. Côté maoré, on s'essouffle et déjà à 5 minutes de la fin, la rencontre semble pliée. Score final, 25-21. À vaincre son péril, on triomphe sans gloire. On savait que ça allait être un gros combat physique. D'ailleurs, j'en garde des séquelles. Mais on avait à cœur de gagner parce qu'on nous avait donné une étiquette de favori. Chez les handballeuses réunionnaises, on fête aussi le retour de la discipline dans les Jeux avec de l'or autour du cou. Et c'est une véritable raclée que les filles de Vincent Waron ont infligée à leurs homologues mahoraises. À la mi-temps, la Réunion mène déjà de 7 buts. Difficile pour Mayotte de revenir. Au coup de sifflet final, le score est sans appel. 33-20 pour la sélection réunionnaise. Le handball, c'était au gymnase. Daniel Narcisse à la possession. Pendant tout le déroulement de la compétition, l'ambiance a été assurée par les supporters. Un peu plus que d'habitude hier, à l'occasion des finales. Les supporters qui ont donné de la voix pour encourager les joueurs. Géraldine Blandin, Alix Catherine. La finale, elle se joue sur le terrain, mais elle se joue aussi dans les gradins. D'un côté, les Mahorais, de l'autre, les Réunionnais. Qui des deux encourage le mieux son équipe? On est à fond, on est à fond dedans, on perd pas espoir, tranquille, on est là. Big up la Réunion, big up la Réunion, nous tous ensemble, allez ouais. Nous chantons, nous dansons, nous applaudissons, nous crions la Réunion. 9-7-4 est dans la place. Allez les filles. On se fait discret, moi, les supports, vous ne connaissez pas beaucoup sur le stade. Dans tous les cas, on sera content de notre équipe parce que déjà, c'est bien qu'ils soient arrivés à là et c'est une joie, quoi. On profite. Vous criez, vous chantez? Bah oui, on crie, surtout crier. Vous criez quoi? Bah allez, la Réunion, la Réunion. Vous, vous êtes pour qui? France. Et vous, madame? Mayotte, Réunion, France. Ben moi aussi, la Réunion aussi, du coup.
Sur le terrain, ce sont les handballeuses réunionnaises qui ont gagné. Dans les gradins, c'était surtout l'occasion de faire la fête ensemble, réunionnais et mahorais. Et dans ce volet consacré au sport collectif, intéressons-nous au volleyball. En masculin, victoire de la Réunion contre les Seychelles en finale, alors que les Seychelloises retiennent-elles leur titre. Les filles étaient en action au Stade de l'Est contre Madagascar. Des matchs très intéressants. Léo Fay avec Hermina Lesson. C'est fini ! Et la Réunion est médaille d'or ! Maître à domicile. Les volleyeurs réunionnais, médaillés d'or, une première au Jeux des îles. Bonheur intense après 4 ans de préparation. Ce n'était pourtant pas gagné lors du premier set. Les Seychellois prennent l'avantage avec un score de 25-22. Ils ont un titre à défendre, mais les tricolores ont une revanche à prendre après leur défaite en 2011. Et ils l'expriment dans les 3 derniers sets. On avait dit rendez-vous dans 4 ans. On espérait vraiment Seychelles, mais c'est Seychelles, c'est parfait. Ben voilà. On avance. Je pense qu'ils étaient un peu trop confiants dans le premier set. Ensuite, les Réunionnais ont pris le dessus. Surtout dans le deuxième set. Le score a fait baisser le moral des joueurs. On n'a pas pu remonter, même dans le troisième set. On a tout donné dans le quatrième set, mais il y a eu des erreurs et un manque de concentration. Historique. Moment exceptionnel qui mérite bien une petite Marseillaise dans le public réunionnais. Autre exception, toujours en volleyball, chez les dames cette fois-ci. Les Seychelloises arrachent la médaille d'or aux Malgaches avec un score de 3-7-1. Globalité, hein, les Mauriciennes. Prenons la route maintenant. Cyclisme, la dernière course a eu lieu ce matin à Brépanon. Les cyclistes qui avaient 104,8 km à parcourir. Et là, bien joué pour les Mauriciens qui décrochent les 2 premières places dans la course en ligne. Yannick Lincoln remporte l'or et le jeune Fitzgerald Rabaille, 19 ans seulement, repart avec l'argent. Madagascar complète le podium. Géraldine Blandin et Hubert Nugent. À bout de force, après 2h38 d'efforts intenses, Yannick Lincoln est le vainqueur de la course en ligne. Ils étaient pourtant 24 au départ. De Brapanon à Saint-Benoît, 8 boucles, 104 km au total. Dès les premières minutes, un groupe de tête se forme, un réunionnais, un malgache et surtout 2 mauriciens qui donnent le ton. Le peloton mené par 3 coureurs réunionnais est à plus d'une minute des premiers, mais l'écart se réduit au fil des kilomètres. Au dernier tour, après plus de 2 heures sur route, alors que le mauricien Olivier Lecour s'occupe du réunionnais Bertrand Soubadou, Yannick Lincoln accélère et rejoint André Fitzgerald Rabaille. Les 2 mauriciens franchissent ensemble la ligne d'arrivée. C'est pas ma victoire, hein. Ça c'est sûr, c'est la victoire de vraiment toute l'équipe. Tout le monde, ils ont tous donné un effort incroyable. Même Grégory Lagan, c'est lui qui a fait basculer en notre faveur dès le début. Il a flingué lui en premier, donc à partir de là, c'est lui qui nous a donné les armes en premier et il fallait juste poursuivre. Donc nous, à nous 5, on a couru comme un seul homme aujourd'hui. Bertrand Soubadou a tout donné, mais les Mauriciens ont été les plus forts. Ils terminent 6e. Arrivé à mi-course, on va dire, un peu plus. Il y a Olivier Lecour qui est revenu seul. Et à partir de là, ils ont commencé à m'attaquer un par un. Et au bout d'un moment, j'ai craqué et voilà. Le malgache Dama complète ce podium aux côtés des 2 mauriciens. Tennis, les finales en simple hommes et dames aujourd'hui à Champfleury. Des duels malgaches réunionnais dans les 2 cas. Et c'est Madagascar qui s'est montré le plus fort en décrochant les médailles d'or en jeu. Christelle Floricourt, Hubert Nugent. En remportant l'or, Ansou Rakotondramang offre le grand chelem à Madagascar. Sur les courts de tennis, les joueurs de la Grande Île raflent les 5 médailles d'or du tournoi. Cet après-midi, dans l'ultime match de la compétition, le numéro 1 malgache ne laisse aucune chance aux Réunionnais. Ansou remporte la finale en 2-7, 6-1, 6-2. J'ai attaqué le match très très bien. Je sentais que physiquement, il était un peu entamé par ses matchs précédents. Alors que moi, ça va, j'étais assez en forme. Donc voilà, j'ai joué mon jeu et j'ai bien fait ce que je devais faire et j'ai gagné. Quentin s'est battu, mais effectivement, la fatigue se fait sentir. Durant le deuxième set, il tente de revenir, mais n'y parvient pas.
Moi, de mon côté, j'étais assez tendu et j'ai pas réussi à me relâcher du match et j'ai pas réussi à jouer mon meilleur niveau et là contre lui, du coup, j'ai aucune chance parce qu'il a vraiment bien joué et du coup, voilà, il m'a éclaté quoi. Même topo chez les dames, Zahra Razafi Matrat monte sur la première place du podium. La numéro 1 de la sélection malgache a eu raison de Pauline Payet en 2-7, 6-4, 6-1. Elle joue ici, chez elle, donc c'était pas facile du tout, mais j'ai eu tous les malgaches derrière moi, donc ça m'a vraiment aidée, ça m'a vraiment encouragée. Des supporters et sportifs malgaches qui n'ont pas manqué d'effectuer quelques pas de danse après la pluie d'or qui s'est abattue sur eux. Vu qu'on en parle, dans le match pour la troisième place sachez qu'en simple homme, le réunionnais Kevin Rivière bat le malgache Jacob en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4. Image signée Daniel Abdou. Et il y avait du spectacle sur le ring hier avec les finales de boxe au gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre. 10 finales étaient à l'affiche et à la fin, la Réunion repart avec 5 médailles d'or. Alors que les Seychelles et Maurice se sont également bien défendus. La boxe, on en parle tout de suite dans ce reportage de Valérie Filin et Rodolphe Ozan. Le vainqueur est le coin bleu. Ils sont entraînés pour être des cogneurs, mais sur le ring, parfois, ils laissent parler leur cœur, image de fair play, l'esprit sportif plus fort que tout dans ces jeux des îles tourmentés. Si Eric Dagar console Hendrik Alissop, c'est parce que le capitaine des boxeurs réunionnais vient de priver le jeune Seychellois d'une nouvelle médaille d'or. Alissop, champion d'Afrique, est rapide, mais Dagar est plus fort. Là, je suis content de finir une bonne date. Merci à tous, merci beaucoup, les réunionnais. Pour cette soirée de boxe, 10 finales étaient au programme, devant un public 5 étoiles, des réunionnais déchaînés, car sous leurs yeux, une Dream Team pays emmenée par Willy Blin. Première à déclencher la machine à breloques, Kevin Tsanginglam, plus jeune et plus pressé que le malgache Lalaï. J'étais habitué à la fatigue et tout, m'en mettre ensemble, ah oui. Chez les moins de 52 kilos, l'étoile qui monte, Marcus Gevia, ici sous les yeux de papa, consultant pour les télévisions de l'océan Indien. Le jeune champion de France était attendu au tournant. Face au Mauricien Bactora, Gevia répond présent. Ça fait super plaisir. C'était un objectif aujourd'hui, je l'ai rempli. C'est tout à la salle. Franchement, c'est la première fois.